Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, on va voir encore une fois de l'expresso. On va revoir encore un nœud lié à MoGraph. C'est-à-dire que la dernière fois, on avait vu le nœud donné qui permettait de récupérer des informations sur un clone particulier ou un élément d'un objet MoGraph particulier. Et on avait vu dans un exemple qu'on pouvait utiliser ces informations, les informations de position par exemple, pour faire des petites choses. Aujourd'hui, on va voir un deuxième nœud MoGraph, c'est le nœud sélection MoGraph. Et pour montrer ce nœud-là, il faut que j'explique en fait ce que c'est qu'une sélection MoGraph. Je vais reprendre le même exemple, et on va voir que l'on peut faire la même chose de manière plus efficace et plus simple. Parce que dans Cinema 4D, il y a plusieurs façons de faire une même chose, et il y a des façons qui sont plus faciles et d'autres qui sont plus compliquées. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'était bien pour expliquer le nœud donné. Mais il y avait des façons beaucoup plus simples de faire. Donc aujourd'hui, on va faire la même chose, de manière plus efficace. On va recréer un petit peu la scène d'exemple. Donc j'avais fait un cube de 20 cm de côté, avec 3 segments sur les côtés. Voilà. J'avais mis dessus une texture bleue. Une texture bleue. Dans ces bleus là, c'est pas bien important. J'avais mis ça dans un objet cloneur. Voilà, le cloneur, je l'avais mis en répartition sur une grille 6 par 1 par 6. Voilà, et ensuite, fais ça comme ça. Ensuite, j'avais montré qu'avec Expresso, on pouvait récupérer les données d'un clone en particulier, le clone numéro 15, par exemple. J'avais placé ensuite avec Expresso un effecteur simple sur ce clone afin de le cacher. Et ensuite, toujours avec les coordonnées de ce clone qui avait disparu, on pouvait venir y placer dessus un autre objet, un autre cube de couleur orange avec une texture orange. Et puis, ça donnait l'impression, en fait, qu'on changeait la texture du cube. On faisait ça avec le nœud donné. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, parce qu'en fait, ça fonctionne bien pour un clone. Mais si on en a plusieurs, si on en a des dizaines à modifier en même temps, ça devient vite compliqué, c'est-à-dire que le nœud expresso devient très vite dense et pas pratique. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de nœuds qui viennent se reconnecter les uns aux autres. Puis ensuite, ça oblige à créer plusieurs effecteurs pour venir les positionner au bon endroit. Ça oblige à créer plusieurs cubes orange pour venir ensuite les poser aussi au bon endroit. Tout ça, ça fait beaucoup de choses dans la scène. Faisons autrement. Ici, l'idéal, ça serait de pouvoir changer la couleur de la texture avec l'effecteur directement. L'effecteur ne peut pas influencer la texture qui est ici. Elle peut pas faire ça. Donc ça, c'est un problème. On va éliminer les problèmes les uns après les autres. Le premier problème, c'est la texture. On supprime donc la texture. Oui, mais maintenant, mes cubes, ils ne sont pas bleus. Bah oui, seulement c'est un problème moins compliqué à régler. C'est-à-dire que les cubes ne sont pas bleus parce qu'il n'y a pas de texture dessus, mais l'objet cloneur, qui est ici, peut colorer les cubes. Ici, dans Transformation, on a une zone, ici un champ couleur, et on peut donc indiquer une couleur. Par défaut, c'est du gris. Je vais donc ici mettre du bleu. Voilà, comme ça, c'est un bleu à peu près comme ça. J'ai retrouvé mes cubes bleus, et j'utilise pas de texture. Donc, je pourrais utiliser une texture en plus, hein, si on veut. On peut tout à fait créer une texture, la mettre sur le cloneur, et ici, dans les textures, dans le canal couleur, aller chercher ici MoGraph, matière couleur. En faisant ça, la texture qui est ici prend la couleur qui est indiquée ici. C'est un truc assez simple. Ici, je vais pas m'embêter avec ça. On va rester sur quelque chose de simple, on va rester sur les bases. Donc ici, j'ai mes cubes en bleu. Je peux faire un rendu, j'ai les cubes en bleu, il n'y a aucun problème. Maintenant, je veux que certains cubes soient en orange. Étant donné que la couleur est gérée par MoGraph, je peux changer cette couleur-là avec les effecteurs. Je sélectionne mon cloneur, je vais dans MoGraph, effecteur, effecteur simple. Par défaut, il décale tout vers le haut, c'est pas ce que je veux. Donc là, je mets 0 et je décoche. Et ici, on voit qu'on a un champ dans
paramètres, on a ici un champ couleur qui est sur désactivé. Eh bien, on peut mettre ici personnaliser. Et là, on peut personnaliser la couleur. On va prendre donc du orange. Voilà, maintenant tous mes cubes sont en orange. Oui, mais moi je veux pas que tous les cubes soient orange. Je veux que les cubes soient bleus, sauf le cube numéro, le clone numéro 5, 15 et 25. Donc 5 ici, 15 qui est ici, et 25 qui doit être là-bas. Je peux prendre mon effecteur simple, changer son mode d'atténuation peut-être, si je mets une atténuation watch. Mais alors dans ce cas-là, il va falloir que je crée peut-être plusieurs effecteurs simples, que je les positionne sur les positions des différents cubes, des différents clones. Bon, ça va être compliqué tout ça. Non, non, je vais rester ici en mode infini. Et qu'est-ce que je peux faire? Ici, dans l'effecteur simple, dans effecteur, on peut voir qu'il y a un champ sélection. On peut indiquer une sélection, et cet effecteur aura un effet que sur ce qui est ici dans le champ sélection. Comment on crée une sélection? On va simplement sur le cloneur, et ici on a dans MoGraph un outil qui s'appelle Sélection MoGraph. Quand je sélectionne cet outil, on a des petits points rouges ici, et je peux en fait sélectionner certains points. Celui-là, celui-là, et puis celui-là par exemple. J'ai sélectionné 1, 2, 3. Ils sont soit en jaune à la placette en rouge. Et ici j'ai un petit tag qui s'est ajouté, qui s'appelle en fait Sélection MoGraph. Ce tag, je peux aller le mettre ici dans le champ sélection de l'effecteur simple. Et maintenant, l'effecteur simple n'a un effet que sur les éléments, que sur les clones qui sont définis dans le tag de sélection. Ah, ça c'est bien. C'est bien parce que là, j'ai fait exactement la même chose que la semaine dernière, mais de manière beaucoup plus simple. Seulement, ça c'est pas dynamique pour le moment. Parce que ici, si je veux changer ça, je vais sélectionner mon tag de sélection, d'aller dans MoGraph, prendre la sélection MoGraph, je sélectionne le cloneur, et là je peux aller sélectionner peut-être un autre cube, je peux avec CTRL en désélectionner d'autres. Oui, comme ça, ça va pas être génial. Ça va pas être génial parce qu'en fait, moi j'aimerais gérer ça avec, avec Expresso, ça serait vraiment plus pratique. On peut le faire. Donc je vais ajouter un Expresso dans ma scène, donc. J'ajoute un élément neutre que je vais appeler Expresso. Expresso. Si je ne fais pas de faute, ça serait mieux. Expresso. J'ajoute dessus mon tag Expresso. Ça m'ouvre ma fenêtre Expresso, qui à la base elle est comme ça. Je vais dans le Xpool. Je vais avoir besoin de quoi? En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ce tag-là, quand je lance l'animation, quand l'expresso tourne, tout soit désélectionné, et qu'ensuite, l'expresso définisse ce qui doit être sélectionné seulement. Je peux le faire, ça. Je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin du tag qui est ici, donc je le fais glisser. On peut faire glisser les tags dans l'expresso. Voilà, j'ai le tag, c'est lui que je vais modifier. Comment je peux le modifier? Pour le modifier, il y a un nœud spécifique, c'est le nœud qu'on va voir aujourd'hui. Il se trouve dans Opérateur Système, MoGraph, et ici sélection MoGraph. C'est le même nom, faites attention de ne pas se mélanger les pinceaux, c'est le même nom, mais c'est pas les mêmes nœuds. Donc ici, sélection MoGraph. Ce nœud MoGraph demande ici la propriété sélection. Donc il faut que je l'attache en fait à cette propriété-là. Donc pour ça, la propriété, elle est ici. J'ai besoin ici du peur objet. Et ici, je relis le peur objet à le peur propriété sélection. Ce nœud a ici trois peurs en entrée, indice, propriété de sélection et sélectionné. J'ajoute le sélectionné, parce qu'on va s'en servir. Et en sortie, il a seulement le peur sélectionné. Par défaut, il nous indique seulement si un des clones est sélectionné. Si un des clones est compris dans la sélection. C'est-à-dire que si on ne met pas le sélectionné ici, ici, on entre dans l'indice, on indique un numéro de clone, et en sortie ici, nous sort une valeur booléenne qui nous indique est-ce que le clone en particulier est sélectionné ou pas. Mais quand on ajoute le sélectionné ici, c'est un petit peu différent, ça permet en fait de changer la valeur du clone, c'est-à-dire de changer son état sélectionné ou pas sélectionné. Donc, on regarde dans les propriétés de ce nœud, je clique dessus. Ici, on a l'indice, c'est un numéro de clone. Et ici, on a un truc qu'on peut cocher.
Si c'est coché, le clone qui est ici est sélectionné. Si c'est décoché, il est désélectionné. On peut voir ça tout de suite. Je vais mettre ici plusieurs frames. Voilà. Comme ça. Ça, c'est bon. Je mets lecture. Ici, je sélectionne bien ça. Le clone numéro 0, je peux cocher ici. Il est sélectionné. Je décoche. Il est désélectionné. Le numéro 15, je mets 15, je coche, il est sélectionné, je décoche, il est désélectionné. Donc ici, c'est super, on peut, grâce à ça, sélectionner ou désélectionner des éléments, des clones, de notre tag de sélection MoGraph. Comment je vais pouvoir utiliser ça maintenant? Alors voilà ce que je vais faire, on va s'organiser. Je vais récupérer en fait la quantité de clones. Ça, je sais le faire, je sais compter les nombres de clones, on l'a vu la dernière fois. J'ai besoin du cloneur. J'ai besoin ici d'une donnée. J'ajoute ici le port objet. Je relie objet et objet. Et ici, j'ai la quantité de clones qui sort. Donc, cette quantité de clones, ça va m'être utile. Ici, je veux désélectionner tous les clones. Donc, je sélectionne ça. Je vérifie qu'ici c'est bien décoché, donc ça va désélectionner les clones que je vais indiquer ici. Ici, on met 0. Il faut que j'indique maintenant ici toutes les valeurs de 0 à la quantité de clones, c'est-à-dire à 36, de 0 à 36. Pour faire ça, il faut créer une boucle. En programmation, il y a des boucles, ce sont des boucles for next, qui en fait font toutes les valeurs qu'il y a entre la valeur for et la valeur next. C'est-à-dire que on lui indique une valeur d'entrée, une valeur de sortie, et la boucle va sortir toutes les valeurs qui sont comprises entre ces deux chiffres. Dans Expresso, on a l'équivalent. Ici, on va dans Expresso, itérateur, et ici, on a le nœud itération. Je l'ajoute. Le nœud itération, il prend deux valeurs en entrée et il a une valeur en sortie. En entrée, on indique un numéro. Enfin, on indique aussi un numéro. Et en sortie, il va nous sortir d'un coup tous les numéros qu'il y a entre ce premier chiffre et ce deuxième chiffre. Donc ici, le premier chiffre, début d'itération, c'est 0. Le deuxième chiffre, c'est la quantité de clones. Donc ici, quantité, c'est la fin d'itération. Voilà. C'est-à-dire 36 clones, et ici en sortie, on met ça dans l'indice. Ce qui fait que maintenant, quand CinemaKD va trouver ça, ce qu'il va faire, il va prendre la quantité de clones, de 0 jusqu'à la quantité de clones, il va les faire passer dans ce nœud sélection MoGraph, qui est relié au sélecteur, et il va simplement désélectionner tous les clones. Donc le nœud sélection MoGraph va être complètement vidé, complètement remis à plat. Tout va être désélectionné. On regarde ce que ça donne. Par exemple ici, si je fais, si je prends l'outil de sélection et que je sélectionne quelques clones, quand je relâche, vous voyez, tout se désélectionne. Simplement parce que l'expresso est en train de tourner. Donc à chaque fois, il désélectionne tout ce qu'il y a dans la sélection. Bon, ça c'est bien. Je vais maintenant ajouter un deuxième petit expresso dessous qui va en fait simplement sélectionner les clones que je veux sélectionner. Donc de quoi j'ai besoin? J'ai besoin du tag sélection MoGraph, donc j'en fais un double, non je peux garder le même d'ailleurs, on va l'attacher aux deux. J'ai besoin d'un sélection MoGraph, alors je vais en ajouter un autre. Je pourrais copier celui-là mais on va en ajouter un autre, c'est plus simple. Je le relie ici à l'objet. Je le sélectionne. Ici, je vais ajouter aussi le sélectionner. Voilà, sélectionner. Ici, je vais cocher le sélectionner. Donc, tout ce que je vais indiquer ici dans indice sera sélectionné. Et qu'est-ce que je vais ajouter ici? Je vais ajouter une constante. Alors, on va faire une constante. Ça pourrait être une donnée utilisateur. Ici, je vais prendre une constante, ça va être plus simple. La constante, c'est un entier. J'ai besoin d'un entier. Je vais lui donner la valeur 5. Voilà. Et je la relie à l'indice. Ici,
il y a une chose qui est très importante à faire, c'est l'ordre. L'ordre dans lequel tout ça va être exécuté. C'est-à-dire que si Cinema 4D exécute ça en premier, c'est-à-dire si il met dans la sélection la valeur 5 et qu'ensuite il efface tout, ça ne va pas coller, ça va pas faire ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment qu'il efface tout avant de sélectionner quelque chose. Donc, comment on peut gérer l'ordre de la priorité d'exécution de tout ça? On va ici dans le gestionnaire, on ouvre ça, et ici, en sélectionnant les éléments, on voit à quel endroit ils sont dans la liste. Ce qui est en haut est exécuté en premier, ce qui est en bas est exécuté en dernier. Donc ici, on veut que tout ça soit exécuté en premier. Donc tout ça, je le mets en haut. Et que ces éléments-là soient exécutés après. Donc je les mets ici en dernier. Donc là, c'est bien dans le bon ordre. Je place ça sur le côté. Et là, normalement, quand je fais lecture, vous voyez, tout est effacé de mon tag de sélection, sauf le clone numéro 5. Parce que le clone numéro 5, ici, est indiqué comme sélectionné. Donc j'ai juste à copier maintenant ça, comme ça, pour indiquer en fait quel clone. Alors, il faut à chaque fois que je vérifie qu'ils sont bien mis en dernier. Que je vérifie en fait l'ordre ici, et ici que j'indique quel clone je veux sélectionner. Alors ici j'avais mis le 5, ici je veux le 15. Donc si je fais ça, j'ai le 5 et le 15, et j'avais dit que je voulais aussi le 25, donc on va encore le faire. On essaie de faire ça assez proprement, comme ça. Donc ça, je le duplique encore. Voilà. On relie ça ici. Et là, j'avais dit que je voulais le 25. 25. Et je vérifie que ça se met bien à la fin de la liste. Voilà. Donc en premier, Cinema 4D. Sélectionne bien ça. En premier, Cinema 4D efface tout. Ensuite, pas que je détache ça. Ensuite, il sélectionne le clone numéro 5. Il sélectionne le clone numéro 15. Et il va sélectionner le clone numéro 25. Ici, j'ai pas mis 25. J'ai mis 25 ou pas? Oui, c'est parce que j'ai pas actualisé. Voilà, le clone numéro 25. Et forcément, à la place d'utiliser des constantes, je pourrais tout à fait utiliser ici des données utilisateurs. Alors, on va créer des données utilisateurs. Voilà, on va ajouter un groupe qu'on va appeler réglage. Dans ce groupe, on va ajouter trois nœuds. Alors, trois nœuds, trois données. Je vais d'abord en faire une. Alors, c'est un entier. Voilà, ici, clone 1, non, clone orange, 1, je vais dupliquer ça, si j'y arrive, là, j'en fais plusieurs copies, donc clone orange, celui-là, c'est le 3. Et celui-là, c'est le 2. Parfait. Ensuite, dans mon expresso, je vais ajouter ça, expresso. Aller chercher mes données utilisateurs qui sont, je les ai mis où? J'ai pas validé, forcément. Je recommence. Là. Cette interface de création de données utilisateurs pourrait être mieux faite. Réglages. Ou alors je les ai créés, mais je les ai créés ailleurs. Donc données. Alors, j'ai dit clone orange 1. Et c'est un entier. Voilà, j'en fais un double, et encore un double,
Donc celui-là, c'est le 2. Et celui-là, c'est le 3. Et je les mets dans le bon ordre. Voilà, et là, je valide. Et c'est bon. Donc ici, dans mon expresso, j'ai réglage, clone orange 1, ah, clone orange 2, et clone orange 3. Et là, à la place des constantes, j'efface ça, et je mets ici le clone orange 1, clone orange 2, clone orange 3. Voilà. Je peux fermer ça. Je mets lecture. Ici, les valeurs c'est 0, 0, 0. Je veux le numéro 5, le numéro 15 et le numéro 25. Voilà. Je peux changer ça, hein. Je peux changer tout comme je veux. On peut en mettre autant qu'on veut. Il n'y a aucun problème et ça fonctionne très bien. Et quand je fais un rendu, on peut voir que seulement les clones que j'ai indiqués ici sont sélectionnés et sont en orange. Seulement ceux-là sont affectés par ici mon effecteur simple. Alors, je change que la couleur ici, mais comme j'ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai montré, je peux aussi changer, voilà, 45, ce genre de choses, la rotation et la position, voilà. On peut ajouter là-dessus un effecteur délai, en mode élasticité, un petit peu plus fort, voilà. Et quand je mets lecture et que je vais ici dans l'expresso, je peux changer les trucs comme je veux. Et là, je peux en gérer plusieurs. Et j'ai pas à me soucier en fait des textures, j'ai pas à me soucier d'un expresso trop lourd, parce qu'en fait ici, j'ai un expresso qui est assez basique, assez simple. Il est encore perfectible, on peut faire encore mieux, on peut faire encore plus simple. Si on gère les trucs un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait demander à ce que les clones du numéro temps au numéro temps soient sélectionnés. Et au lieu d'avoir 3 sélecteurs homographes, on n'en aurait qu'un seul avec une itération. Et puis quelques calculs mathématiques, on peut aussi faire des choses. Donc là, on a vu que l'effecteur donné, on pouvait utiliser la valeur quantité qu'on a vu la dernière fois dans un calcul. On a vu le nœud itération qui permet de faire une boucle de 0 à 36, et d'entrer en fait dans l'indice ici toutes les valeurs de 0 à 36, donc de vider en fait notre sélection homographe. On a vu le tag de sélection homographe qui est ici. On a vu qu'on pouvait, avec ce nœud sélection homographe, modifier ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire sélectionner des nœuds, des clones ou en désélectionner. On a vu que l'on pouvait ici gérer l'ordre dans lequel tous ces nœuds sont exécutés. Ici, c'est d'abord tout ça qui est exécuté. Ensuite, c'est ce nœud-là, ce nœud-là, ce nœud-là. Ici, l'expresso, je pourrais le mettre au-dessus si je veux. Comme ça. Donc là, on a l'ordre d'exécution du homographe, de l'expresso. Et ici, les différentes sélections homographes qui sont gérées. Pour gérer cette petite animation qui est assez simple et qui peut servir. Par exemple, ici 0, ici on va mettre le 15, et ici le dernier c'est le 35. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. La prochaine fois, on verra sans doute encore un nœud expresso, ou peut-être pas parce qu'il faut changer un peu de temps en temps. Donc la prochaine fois, je ferai peut-être autre chose. Je verrai, j'ai pas encore prévu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.